excusez-moi. Il paraît que vous cherchez les sparring pour Tarek Mbarek. Très bien, ça, c'est bon, ça. T'es trop vieux, je suis désolé. Bah, justement, j'ai de l'expérience. Vous cherchez quoi comme sparring? Je cherche un sparring qui encaisse et qui fait pas chier. Bah, c'est moi, ça. J'ai signé un contrat avec un gros boxeur. Ah ouais? J'entraîne un type qui s'appelle Tarek Mbarek. Tu l'entraînes? Tu vas faire son sparring? C'est quoi, sparring? Sparring, ma chérie, c'est quand un champion comme Tarek engage des boxeurs comme ton père pour leur péter la gueule pendant un mois, tu vois? Bien. Pas la peine de revenir. Je suis pas le resto du cœur, mec. J'ai un championnat d'Europe à préparer. J'ai pas le temps des états d'âme. Faut que j'ai des gens au top avec moi. Par contre, j'ai un truc que t'as pas. J'ai pris les KO. Je suis retourné sur le ring. Mais crois-moi, si tu l'as pas digéré, tu ne deviendras jamais le champion que t'as été. J'ai une surprise pour toi. Ça te dirait de boxer samedi soir, enlever le rideau? Tu sais à combien de combats t'es là? Tu m'as toujours dit que t'en ferais pas plus 50. À 50, tu t'arrêtes. M'énerve ta mère, m'énerve franchement. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es battu? Quelqu'un t'a vu boxer. Et quoi? Quand les gens te regardent, ils sont contents que t'aies mal. On s'en fout de ça. Moi, je m'en fous pas. Alors fais-moi voir celui que t'aurais voulu être. Fais-moi voir celui que t'aurais pu être. Si quelqu'un avait cru en toi.